nous venons rappeler tout le monde directement qui concerné, nous capables de dire public là, en général, conformément au prescrit des articles 3.1, 5, 7, 8 et 9 du décret du 25 novembre 2020 qui fixe règles relatives à l'obligation d'affichage des prix au paiement en goods et niveau marge bénéficiaire que vous devez faire sous prix produit. Sous paiement, tout bien produit et service qu'il y a dans tout le pays doit être fait en goud qui c'est monnaie nationale. Par conséquent, pas de personne monde qui est capable de refuser recevoir goud de la com paiement dans quelle que soit transaction qu'a faite, en particulier les gens moun a payé loyer kay. Les nous parler de loyer kay bagay ça gen pile moun dans population an, nous capable dit moun ki pi vulnérable, moun ki pi pauvre dans société a. Les yo la fermer yon kay, yo pote kòb la bay propriétaire le li rive propriétaire a dil c'est dollar américain pour le pot balé. Eh bien nous dit jodi a les moun na paye l'école ou bien frais scolaires dans l'école classique ou bien technique ou bien l'école professionnelle dans toute université ak établissement d'enseignement supérieur sans distinction aucune dans pays a, eh bien tout monde qui pral payer doit payer en goud qui c'est l'argent pays a. Malheureusement, ministère commerce et industrie constaté gagnent des contrevenants. Ça veut dire moun kap violé la loi, que yo se commerçant, que yo se moun kap vend service ou toute qualité l'autre moun, yo violé systématiquement principe ça qui dit ou capable refuser goud nan men moun nan transaction, ça qui causé en pile préjudice pour l'État, pour consommateurs, pour toute société en général. Le ministère du Commerce et de l'Industrie invite tout le monde sa yo kap violé la loi pour yo respecter ce que nous sot parler là. Parce que si vous refusez de faire ça, vous avez subi peine à condamnation que le décret ça prévoit dans l'article 7, 8 et 9 décret ça qui est sorti dans le moniteur numéro 41, 30 novembre 2020. Yon lot bon, devant constat catastrophique que gen yon bon moun ki pa gen autorisation pour ça que yon rele
Cambis là. Tout côté ne passe dans la rue, c'est Cambis. Yal prend cob dans mes gros zouzoun. Le BRH gagne un taux. Eh bien, yo même yo prend cob là, y a fait marché noir avec lui dans la rue. Nous mandé Cambis ça yo à partir de semaine qui va venir que yo mette commencer retirer quoi yo dans la rue parce que la loi pral passer wè yo. Yo gen pou mission aller dans BRH al mettre yo en règle avec la loi. Le ça yo pral gagner yon bureau d'échange. Eh bien, n'importe moun capable al nan biwoa al changer l'argent nan mek ambisyon. Sou marché a continuer. Yo continuer marché pile décret 25 novembre 2020 en papier sous intermédiaire d'échange. Décret BRH te fait sortir. Pendant y a acheté à revendre l'argent étranger, spécialement dollars américains, tout partout dans le pays, le ministère commerce avec industrie dans obligation pour le faire moun sa yo songer. Que violation la loi ça infraction ça li ka fè yo condamné d'après ça qui dit nan article 54.1 54.2 et 55 décret ça qui sous intermédiaire de change BRH là et qui nan moniteur numéro 41 30 novembre 2020 encore. C'est peut-être ça. Nous venons faire appel ça matin. Tout le monde a cherché d'où là. Et tout le monde dans le pays a yap travail, ça cap travail yo. C'est un goud yo touché. Et lè yo rive côté pour jwenn service là, yo exige yo pour yo payer dollar. Et n'a mandé locataire yo si yo déjà habité yon kay. Yo pote goud la li, propriétaire pa pranl ou met vini nan ministère commerce. N'a ba ou tout accompagnement qui possible et pour faire ça la loi dit qui doit fait c'est à déposer comme ça non DGI pour moun ça et gen en pile maison qui tape loué dollar caillou en dollar. Nous dénonçons moun sa yo vinn nan ministère commerce ou pas besoin identifier yo ban nou adresse ban nou kay la et laisse à l'état pral fè moun sa yo paye sa yo te doué payer l'état parce que y a touché en dollar et puis y a bay l'état un kakaran en goud et l'état a prend toute disposition dans sens ça. Mon quoi, c'était objectif rencontre matin avec nous la presse. Si gen question ou connaît que ministère commerce pas là pour l'y arrêter. Gen la justice, gen la police au moment opportun. Ministère commerce pral dans la rue hein. L'a pas accompagné la police. La justice et le appareil judiciaire arrivé en côté, li constate
gagné fraude, li constaté gagné spéculation illicite marché noir, il laisse à la justice capable d'interpeller les gens. Il y a des institutions, c'est Jean-Philippe Massé à Domega, il y a des institutions, c'est vrai, qui ont touché comme là dans mon route, mais ils ont mis dans le taux pas. Ils ont mis dans le taux pas clair, est-ce que nous-mêmes nous avons un regard sur ça? Il y a des écoles qui font, il y a un magasin qui fait. Nous gagnons un regard sur ça, et je ne j'en dis pas, nous, puis bien comprendre mon yo, le nous dit metoa, yo même yo choisi topa yo, yo augmenté produit à 4 fois la valeur, ben jodi a fok moun yo chaque côté ne passer yo, fok moun sa yo présenter facture côté yo acheter marchandise là. Qui date yo te acheté et combien cob marchandise ça coûte yo? Et le ça, nous pral garder exactement combien marchandise l'an coûte et prix li affiché a. Est-ce que c'est prix réel là li te doué affiché? Parce que marge bénéficiaire, la loi puni moun pour ça. Ou pas capable faire plus que 15% de marge bénéficiaire. Yon commerçant qui amuse li pou li fè 4 à 500% de marge bénéficiaire, eh bien, la tombe sous le coup de la loi. Et le ça, c'est pas ministère commerce, c'est la justice avec la police qui connaît qui ça y a fait après yon fin fait constat. Donc mesure pour dire au bail toute commission semaine pour capable à conformer aux mesures en règle. Est-ce que mesure ça et ministère commerce et inspecteur dans tous 10 départements pour capable gérer nous pas bail commission en semaine. Décret a sorti depuis mois de novembre. Nous pouvons toute commission déjà météo en règle avec la loi. Mais nous disons attention. Le nous passer dans la rue, faire en sorte que nous ne pouvons pas camper dans la rue à faire transaction dollar dans la rue. Et qu'en est-il de banque commerciale? Parce que les banques, par exemple, les banques, vous voulez chercher dollar, vous ne pouvez pas vous dans la banque là, alors que même comme ça, vous vendez Kambizio même, après vendre pour vous dans la rue. Bon, en ce qui a trait aux banques commerciales, yo dépend directement de BRH. Eh bien, le nous-mêmes, nous prenons Cambis, c'est lui-même qui va dire nous, pour qui est-ce la vente, parce que nous-mêmes, au niveau du ministère du commerce, nous par contre pour qui est-ce la vente. Mais le nous prenons, il y a expliqué avec la justice pour qui est-ce la vente. D'accord. Bon, et si, il y a une petite question.